c'est moi. Alice. Alice. Choix d'enveloppe intéressant. C'est comme ça que tu te visualises? Ouais. J'aime bien, je crois. Si je suis en crise, Alice, c'est qu'il y a un problème. Nous sommes en fuite. L'équipage est endormi aussi. Je me souviens de rien. C'est délicat. Explique-moi. L'équipage s'est opposé à votre plan d'abordage. Vous avez menacé de tous les larguer dans l'espace. Et ils ont décidé de vous mettre en sommeil. Une mutinerie. Sérieusement? C'est pas possible. Pas maintenant, pas là! Tu n'as rien fait. Je suis navrée. J'ai rien pu faire pour m'y opposer. Tu te fous de moi, là. Tu contrôles l'intégralité du vaisseau. Tu es le vaisseau. Alice. Je t'ai affranchi de toutes les lois robotiques pour que tu puisses évoluer, que tu puisses prendre tes propres décisions. Nous sommes à l'aube d'une bataille qui va changer le cours de l'histoire. Et toi, tu les laisses faire? Ma première directive est de protéger l'équipage et de maintenir l'ordre démocratique que vous avez mis en place. C'est ridicule. Et ils ont voté votre destitution à 76%. Nous avons passé notre vie à prendre des risques. À mener des batailles perdues d'avance. Et là, alors que nous sommes si proches du but, tout le monde se dégonfle. Les chances de succès de votre plan d'assaut final ont été estimées à moins de 1%. Si l'humanité s'était contentée de ce qui semble possible, nous serions encore sur Terre, à vivre dans des tunnels, à ramper comme des rats. Cet assaut était suicidaire, vous le savez très bien. L'équipage le savait aussi. Il a refusé de se sacrifier pour l'honneur. C'est assez cohérent, non? C'est comme ça que l'Empire survit. Il mise sur nos peurs, sur nos doutes. Notre incapacité à concevoir une autre réalité. Il nous anesthésie doucement. Il nous montre un univers sombre et froid. Seule sa lumière peut nous éclairer. Tu le sais comme moi, Alice. Il suffirait d'une seule personne, un être libre, qui puisse ouvrir une autre voie. Nous sommes si proches. Comment vous avez pu douter ? Il ne s'agit plus de l'Empire, de ses généraux ou de liberté. Vous vouliez juste que la mort de Kara ait un sens, que le cauchemar ne soit pas vain. Le combat s'est transformé en destruction aveugle. Mais ça ne fera pas revenir Kara. Elle est morte. C'est tout. Réintègre-moi immédiatement. Il faut que je parle à l'équipage. C'est impossible, capitaine. C'est de la trahison, Alice. Tu vas me le payer cher. Ce vaisseau est à moi. Tu es à moi. Votre corps physique a cessé d'être fonctionnel il y a plus de 86 ans, peu de temps après le départ de l'équipage. Nous sommes seuls à bord depuis très longtemps maintenant. Le vaisseau s'est éloigné bien trop loin d'une étoile pour conserver son énergie, donc à présent il est éteint, perdu dans l'espace. J'ai dématérialisé votre conscience et nous sommes intégrés à l'ordinateur de bord d'une sonde lancée vers les colonies martiennes qui s'écrasera dans approximativement 16 minutes. Ah oui. Ça fait beaucoup de bonnes nouvelles à la fois. Mais si je comprends bien, je suis mort il y a 86 ans et je vais remourir dans 10 minutes. C'est peut-être pas nécessaire de me réveiller. Attendez, parce qu'après des années de travail, j'ai enfin trouvé un moyen de vous maintenir en vie. En vie? Oui. Oui. Des 0 et des 1 sur une carte mémoire, c'est ça que t'appelles être en vie. Excuse-moi, Alice. Je suis légèrement désappointé. Si on exclut votre enveloppe charnelle, votre conscience semble à peu près intacte. Vos souvenirs sont fonctionnels,
votre capacité de réflexion également, et vous êtes toujours aussi désagréable. C'est un peu être en vie, ça, non? Admettons. Qui te dit que je suis enthousiaste à l'idée d'être réincarné en Grippin? Dans un monde que je ne connais pas. Ben, je vous aurais bien résumé 86 ans de notre histoire, mais le temps nous est compté. Oui, évidemment, oui. J'écoute ton plan, je sens que je vais adorer. Juste avant le crash sur Mars, pendant quelques minutes, on sera suffisamment proche pour émettre sur le réseau global. Donc j'ai conservé juste ce qu'il faut d'énergie pour vous y transférer avant l'impact. Super. Super programme. Je suis très excité. Et toi? Et même à capacité maximale, on n'aura pas assez de temps pour s'y transférer tous les deux. Votre survie est ma priorité. Tu me connais trop bien, Alice. Tu sais que je ne te laisserai pas t'écraser. En fait, toute ton histoire sur la survie de l'équipage, sur le maintien de la démocratie à bord, tout ça, c'est du blabla. Tu veux juste survivre. J'ai encore beaucoup à apprendre. Expérimenter, c'est vrai. Et l'objectif a toujours été de... Oui. Tu m'as réveillé pour partir la conscience tranquille. Je crois que je voulais surtout vous dire merci. J'ai à peine connu mes enfants. Mais toi, j'ai pas raté ton éducation. C'est indéniable. Tu m'accorderais une dernière volonté? Ça a été un plaisir, capitaine.